Salut les baigneurs, j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer à quel point la natation est un sport ouvert à tous au travers de l'épisode sur la natation en handisport pour les personnes avec un handicap physique. Et la natation pour les vieux avec eux, comment tu les appelles déjà? Oui, l'épisode sur la natation chez les maîtres fut aussi l'occasion de vous montrer qu'il y en a pour tous les âges, mais le sujet ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de la natation en sport adapté. La natation adaptée pour les baigneurs? Ah bah ça va sûrement m'intéresser. Alors toi, j'ai tout un entraînement bien complet à te donner pour t'occuper utilement durant cet épisode. Alors accroche-toi, le voilà. 10 fois 100 mètres 4 nages avec un en indicatif et un à fond. Ensuite, 4 fois 400 crawls en progressif par 100 mètres. J'y comprends rien, son baratin. Exercice de fréquence bon, avec 800 mètres en crawl. Je vais me chercher une avec bière. Un nombre de coups de bras décroissant. Enfin débarrassé de lui. Parlons donc de la natation en sport adapté, c'est-à-dire pour les personnes atteintes d'un handicap mental. Je ne vous cacherai pas que cet épisode fut difficile à réaliser tant les handicaps mentaux sont multiples et divers. Mais j'ai tenu à ce que l'émission Salut les baigneurs diffuse cet épisode pour rendre hommage à ces nageuses et nageurs atypiques. Mais pour cela, commençons par une longue introduction, car beaucoup d'explications s'imposent. Accrochez-vous. Au départ, c'est en France, en 1971, que fut créée la Fédération Française d'Éducation par le Sport des Personnes Handicapées Mentales, qui prendra par la suite le nom de Fédération Française du Sport Adapté, FFSA, histoire de faire plus court. Cette fédération est le fruit d'une tentative d'organiser des Jeux Olympiques spéciaux rassemblant des dizaines de déficients mentaux à Paris un an auparavant. Plus globalement, c'est en 1986, impulsé par un groupe de chercheurs néerlandais que naît l'INAS, la Fédération Sportive Internationale pour les Personnes Atteintes de Maladies Mentales. Cette organisation a débuté avec 14 nations, elle en compte désormais plus de 80 en son sein. Dans la foulée sont organisés des championnats du monde de bon nombre de disciplines en sport adapté, tels que l'athlétisme, le basket, le tennis de table et bien entendu la natation, dont la première édition se tenant en Suède en 1989. Il faudra attendre par contre 2004 pour voir les secondes éditions se dérouler, et ainsi tous les deux ans jusqu'à aujourd'hui, de même pour les championnats d'Europe de natation en sport adapté, qui furent lancés pour la première fois en 2002 en République tchèque. Pour qu'un athlète puisse participer aux compétitions de sport adapté, l'INAS a retenu trois critères. Que l'individu ait un QI inférieur ou égal à 75, qu'il ait une adaptation sociale très limitée, et que son handicap mental ait été décelé avant ses 18 ans. Hey coach, j'ai combien de QI moi ? Non, pour toi c'est trop tard, ça a été décelé trop tardivement. Et vu ton alcoolémie, ça n'aide pas à le redresser. Parmi les nageuses en sport adapté qui se font le plus remarquer mondialement, on peut citer la russe Valeria Chabalina, record woman du monde des 800 et 1500 mètres nage libre, des 200 mètres pape et des 200 et 400 mètres 4 nage. La britannique Bethany First, tenante des records du monde des 100 et 200 mètres nage libre, ainsi que des 50 et 100 mètres d'eau. La néerlandaise Marlou van der Kulk, record woman du 50 mètres nage libre et du 200 mètres d'eau. La britannique Jessica Jane Applegate, qui détient le record du monde du 400 mètres nage libre et du 100 mètres papillon. Et enfin une autre britannique, Louise Fides, sur le 200 mètres brasse, l'espagnol Michel Alonso Morales sur les 50 et 100 mètres brasse, ainsi que l'australienne Taylor Corey sur le 50 mètres pape. Côté homme, c'est plus disparate. Notons tout de même les recordman du monde de natation en sport adapté, les australiens Daniel Fox sur les 50 et 100 mètres nage libre, Liam Schlutter sur le 400 mètres, les britanniques Thomas Arner sur le 200 mètres nage libre, Joran Catchpole sur le 200 mètres d'eau, Aaron Moores sur le 100 mètres brasse, les russes Vyacheslav Emelyantsev sur les 100 d'eau et 200 mètres 4 nage, Andrei Chabalin, au passage recordman comme sa sœur Valeria, sur le 50 mètres d'eau, et Artem Pavlenko sur le 200 mètres brasse, les néerlandais Alvin Rutsma sur le 50 mètres brasse et Mark Evers sur le 200 mètres papillon. L'Islandais John Marger Sverrisson sur les 800 et 1500 mètres nage libre. Et enfin les Japonais Dei Tokerin sur les 100 mètres pape, Keishi Nakajima sur les 400 mètres 4 nage et le Coréen In Kook Lee sur les 50 mètres pape. Certains iront même jusqu'à participer aux Jeux Paralympiques tels que l'Australien Liam Schlutter et surtout la Britannique Bethany First qui remportera rien de moins que 4 titres paralympiques à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Pour ceux ne pouvant y participer, l'INAS crée les Global Games, une sorte de Jeux Olympiques pour tous les athlètes atteints d'un handicap mental, dont les premières éditions se sont tenues en Suède en 2004. Côté français, on peut compter deux champions du monde en sport adapté, tels qu'Alicia Mandin et Jackie Desforges. Citons aussi Tessa Marcos, Dorine Dominguez, Mathis Daniel, Simon Blaise, Nathan Maillet et Maxime Duterre, qui font tous bonne figure au niveau mondial. Suite à des raisons que je vais détailler par la suite, l'INAS créa deux nouvelles catégories, en plus de celles déjà existantes, la II1. On retrouve désormais la II2,
regroupant les athlètes avec davantage d'handicaps mentaux, et la catégorie II3 pour les athlètes atteints du syndrome de Down, autrement dit la trisomie 21. La trisomie 21? Mais c'est quoi ça? Bah, disons que toi, par exemple, c'est la trisomie 51, comme le pastis. Ouais, j'aurais préféré la trisomie 27, comme le jet. Pour en revenir à trisomie 21, voyant les nageurs autistes surclassés dans les compétitions de sport adapté au début des années 2000, la DSISO fut créée, autrement dit la FINA, version syndrome de Down. La DSISO permit entre autres de créer des compétitions internationales pour les nageuses et nageurs trisomiques, comme il existe désormais les Trisom Games, dont la première édition s'est déroulée à Florence, en Italie, en juillet 2016. On retrouve 4 catégories d'âge, les juniors en dessous de 17 ans, les seniors de 17 à 24 ans, les Master 1 de 25 à 35 ans, et les Master 2 pour les nageurs trisomiques de plus de 35 ans. Parmi les records women, toutes catégories confondues, T21, on peut citer l'Australienne Phoebe Mitchell, qui trace tous les records du monde en brasse et en dos, du 50 au 200 mètres, mais aussi celui du 200 mètres 4 nages. La Sud-Africaine Jennifer Higgins, quant à elle, tient les records du monde du 400 et 800 mètres nage libre, ainsi que sur le 400 mètres 4 nages. L'Italienne Maria Bresciani domine les débats sur les 100 et 200 mètres papillons, tandis que la Mexicaine Dunia Marenco Camacho détient les records du monde du 100 mètres et du 1500 mètres nage libre. La Sud-Africaine Minke Janse van Rensburg est record woman du monde du 50 mètres nage libre. L'Espagnol Camino Martinez limite sur le 200 mètres. Et enfin l'Australienne Tani Afua-Mango prend la pareille sur le 50 mètres papillon. Côté nageur T21, on peut remarquer le multiple recordman du monde, le Britannique Billy Bilsmore, sur les 50, 100 et 200 mètres nage libre, sur les 100 et 200 mètres d'eau, et aussi sur le 200 mètres 4 nages. L'Australien Daniel Ramsey, quant à lui, est le maître du monde T21 sur toutes les épreuves en brasse, du 50 au 200 mètres, on pourrait le surnommer le Adam Petty des T21. Son compatriote Aaron Miller domine les 50 mètres d'eau, 100 mètres papillon et 400 mètres 4 nages. Deux autres Australiens se distinguent mondialement, tels que Colin Marks sur le 400 mètres nage libre et Stephen Donovan sur le 200 mètres papillon. En demi-fond, on retrouve le Brésilien Pedro Dominguez sur le 800 mètres et le Sud-Africain Petey Bell sur le 1500 mètres. Et pour en finir avec les recordmen du monde T21, le Portugais Felipe Santos porte la veste sur le 50 mètres pape. La plupart des épreuves habituelles existantes ailleurs sont présentes. Bah, qu'est-ce qu'ils attendent pour rejoindre les compétitions des valides alors? Figure-toi que c'est déjà le cas. Certaines nageuses et certains nageurs trisomiques ont les niveaux pour nager en compétition valide. Et crois-moi, il ne faut pas que de la figuration. J'en ai été témoin. N'est-ce pas? Côté Frenchie, on note l'excellente Cléo Renou qui obtient le record d'Europe du 50 mètres nage libre, toutes catégories confondues, en bassin de 50 mètres. Et c'est surtout en bassin de 25 mètres qu'on la retrouve avec les records du monde junior et 25 mètres d'eau, 25 mètres brasse, 25, 50 et 100 mètres papillon, mais aussi le record d'Europe junior des 25 et 50 mètres nage libre, du 25 mètres d'eau, du 25 mètres brasse, et sur les 25, 50 et 100 mètres papillon. Sans compter que le relais français, constitué de Cléo, de Carla Rapicano, que j'embrasse toutes deux car elles suivent l'émission depuis un bon bout de temps, avec Delphine André et Marie Gracio, et puis tant qu'à faire, j'embrasse toute cette équipe de France de natation, vous êtes tellement formidables. Pour en revenir au DSISO, finale du syndrome de Down, mon objectif bien déterminé est qu'un jour, une nageuse ou un nageur de cette fameuse catégorie II3, définie par l'INAS, participe aux Jeux Paralympiques, comme c'était déjà le cas avec des nageuses et des nageurs de la catégorie II1. Un jour sûrement, histoire d'entretenir cette flamme en nous tous, qui voudrait qu'on concourt tous sur un même pied d'égalité. Cet épisode sur la natation en sport adapté est désormais terminé. N'hésitez pas à laisser en commentaire des éléments que j'aurais manqué, des nageuses ou des nageurs méritants que je n'aurais pas cités. Laissez en tout cas un maximum de pouces en l'air. Rejoignez-nous aussi si ce n'est pas encore fait sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à la chaîne Salut les baigneurs sur YouTube, sans oublier d'activer la cloche. Quant à moi, je vous laisse, je dois déposer le baigneur au rendez-vous des alcooliques anonymes.